pour la dernière partie de, de cette journée. J'espère que la restitution euh, devant le jury s'est bien passée. En tout cas, euh, merci, euh, merci à tous les participants pour leur beau projet. Alors, on passe au moment que vous attendiez tous, moi aussi avec impatience, puisqu'on ne dirait pas comme ça, mais, mais mon rêve de petite fille, c'est de me transformer en Julien Lepers. Ça peut paraître très bizarre quand on le dit comme ça. Alors, je vous laisse tous rejoindre maintenant le jeu à l'adresse kaout.it donc k a h 2 o ou sur l'application, si vous l'avez sur votre téléphone. Et vous devez rentrer le code PIN du jeu, qui est donc 898-5602. Je vous laisse le temps de, de vous connecter. Moi, vous inquiétez pas, j'ai le, euh, le retour en plateau. Je sais, euh, je sais si vous êtes là ou pas, donc ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui, qui ont envie de gagner, je ne commencerai pas le jeu sans vous. Alors, sachez en tout cas, petite, euh, petite information, que euh, les réponses, elles vont s'afficher euh, sur SwapCard, la question et euh, les propositions, d'accord Mais vous devez répondre sur votre téléphone, d'accord euh, Vous avez maximum 30 secondes pour répondre, ok Et Et voilà, et vous avez maximum 30 secondes pour répondre. <laughs> Alors, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter, on est toujours à zéro. On est toujours à zéro. Une personne, deux personnes. Super, Rihanna, tu étais la première à te connecter. Bravo à toi, ça te donnera des points bonus. <laughs> Alors, on se connecte, on se connecte, on se connecte, c'est super. Je vous ferai des points sur le podium de temps en temps, quand même. Et je vous dirai surtout ce que les trois premiers gagnent. Il faut être sur le podium aujourd'hui pour gagner quelque chose. Je vous dirai à la fin ce que vous gagnez. Je, je vous tiens en haleine comme ça. Alors, allez, on se connecte. Encore un petit effort. Grosse pression, euh, m'a-t-on dit, sur, euh, sur Octave, puisque c'est le, euh, le seul garçon présent dans les, dans les participants. Donc, Octave, attention, tu représentes la jante masculine aujourd'hui, sans vouloir te mettre la pression. Allez, on est à 10 connectés. Donc je vous rappelle que les réponses, enfin les questions et les suggestions vont s'afficher sur euh, le swap card, d'accord. Donc normalement c'est juste là. J'espère que je ne me suis pas trompée de côté. C'était de l'autre côté. <laughs> Donc de ce côté-là, et vous répondez bien sur votre téléphone. Surtout. Alors je pense qu'on va, on va pas tarder à pouvoir commencer. Encore un petit peu de patience. Je sais que vous êtes tous très impatients à jouer. Sachez en tout cas que, euh, que j'ai fait la partie avant vous et que j'ai répondu juste à toutes les questions. Voilà. Ce que je viens de dire est totalement faux. <laughs> j'ai joué, mais je n'ai pas eu je n'ai pas eu juste à toutes les questions. Voilà. Vous allez voir, c'est sympa. On va bien s'amuser. Et j'attends patiemment que vous vous connectiez. Alors j'ai prévu si vraiment si vraiment on, on, est, euh, on est dans l'expectative, j'ai prévu un petit spectacle de claquettes. Mais ça, c'est vraiment, euh, si vous me le demandez euh, très gentiment, je peux faire un spectacle de claquettes. Mais vous n'avez pas envie de voir ça. <laughs> Donc je vous conseille de vous connecter et de jouer plutôt à question pour un event. Ça sera bien plus, euh, bien plus productif comme activité. Alors, je pense qu'on prend un petit peu de temps parce que les, euh, les restitutions des recours euh, se sont finies il n'y a pas très longtemps. Donc, on attend bien que tout le monde puisse se connecter. On va y aller On va y aller. Eh bien, super. Question pour un event. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Moi, je suis prête. Allez, c'est parti! Quelle est la tâche principale d'un chef de projet événementiel? Superviser l'événement seulement le jour J? Suivre le bon déroulement d'un événement de la genèse jusqu'au jour J? Faire lui-même la promotion de l'événement sur les réseaux sociaux? Ou concevoir seul le projet de A à Z? Encore 15 secondes pour répondre. Allez, ça, c'est une, euh, une question vraiment pour mettre, pour mettre le pied à l'étrier, ça. Hein Allez, encore 5 secondes pour répondre et on passe à la prochaine question. C'est bien. 8 bonnes réponses sur 9 réponses. Bravo Rihanna, tu étais la première à te connecter et tu es la première à répondre juste à la, à la première question. C'est très prometteur. Bravo aussi à Pauline, bravo à Chine, bravo. Pour récolter les retombées positives ou négatives d'un événement, il vaut mieux. Surveillez les postes des visiteurs faisant référence à votre événement. Paramétrez une analyse précise selon les objectifs SMART de l'événement. Sollicitez par mail, message privé les visiteurs pour demander leur avis. Ou engager du personnel ayant déjà effectué ce genre d'événement. Allez, encore 10 secondes pour répondre. 5 secondes. Allez, il manque encore quelques réponses. Dépêchez-vous, sinon c'est zéro point si vous n'avez pas le temps. Super, bravo, que des bonnes réponses. Rihanna est toujours en tête. Bravo, d'une courte tête, attention Rihanna. Alors, qu'est-ce qu'un cahier des charges Un document retraçant les critiques faites par les participants, un document nécessaire, indiquant pardon, les besoins matériels ou non nécessaires le jour-j', un document rassemblant les différents protocoles de sécurité ou un document avec le plan de l'événement, grande, moyenne ou petite échelle. Allez, encore 10 secondes pour répondre. 5, euh, pardon, 5 secondes. Et c'est fini. Une majorité de bonnes réponses. Bravo. Bravo. Le podium ne change pas, euh, pas, euh, pas grandement. Rihanna est à fond. Hein. Question suivante. À quoi sert le conducteur C'est la personne qui conduit les véhicules, la personne qui dirige l'événement, c'est un déroulé détaillé qui reprend minute par minute les actions de l'événement, ou c'est un document regroupant tous les transports disponibles pour l'événement. Encore 15 secondes pour répondre. Normalement, ça, vous devriez, vous devriez avoir la réponse. 5 secondes encore pour répondre. Et c'est fini. Pareil, encore une fois, une majorité de bonnes réponses. C'est bien. On ne change, change pas trop le score. Mina est en feu, je ne sais pas si vous, avez, euh, <laughs> si vous avez vu. Elle a un petit badge pour dire qu'elle a un gros combo de bonnes de réponses d'affilée. De réponse, de bonne réponse Votre client souhaite organiser un événement afin de fédérer ses salariés. Quel format d'événement choisirez-vous Une conférence Un team building Une réunion avec Pause café ou... Une sortie au restaurant Encore 20 secondes pour répondre. Là, pareil, encore une fois, normalement, cette réponse, vous devriez euh, en majorité la voir. Encore 10 secondes. Super Une majorité de bonnes réponses, encore une fois. Bravo à tous. Alors, est-ce que le. Ah Mariana, bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est Chine qui a pris la tête du classement Bravo, en tout cas, Chine. Alors, parmi les réponses suivantes, quel salon n'est pas un salon grand public Salon de l'étudiant, le salon de l'agriculture, salon maison et objets ou le salon du chocolat Vous avez encore 20 secondes pour répondre. Encore 15 secondes. Allez, on n'hésite pas. Parfois, il faut se lancer, hein. même si on hésite, euh, tant pis, il faut y aller. Si bonne réponse, c'est bien. Bravo à tous. Ah, Rihanna revient un petit peu. Elle s'est dit, oulala, comment ça se fait, moi, je me fais pas éjecter du podium comme ça. Tu as bien raison, Rihanna. Parmi les réponses suivantes, laquelle n'est pas un événement de divertissement Un festival Une conférence Une exposition Ou un concert vous avez encore 20 secondes pour répondre. Là, pareil, une question pour vous mettre en confiance, mais elles ne seront pas toutes comme ça. Allez, encore 10 secondes pour répondre. 3, 2, 1. Question suivante. Majorité de bonnes réponses. Bravo. On est toujours avec euh, Chine avec en première position. Qui a pris le badge de feu avec cette bonne réponse d'affilée Bravo Chine Alors, que signifie l'acronyme ROI Restitution of Inventories, React, Organize and Imagine, Return on Investment ou Richesse, Opportunité et Interaction. Vous avez encore 18 secondes pour répondre. 10 secondes pour répondre. Ça va, j'espère que je ne vous mets pas trop la pression quand même. Je suis sympa. Majorité de bonnes réponses. Bravo à tous. Il n'y a pas trop de changements pour l'instant euh, sur le podium. Octave, Octave, j'ai pas vu ton nom encore, Octave. En événementiel, quel est le rôle du programmateur Organiser l'événement Définir une direction artistique s'occuper de la partie informatique de l'événement ou s'occuper de la sécurité sur l'événement. Vous avez encore 15 secondes pour répondre. 10 secondes. Sachez en tout cas entre nous que c'était une des, des questions sur laquelle j'ai eu faux. Mais ça reste entre nous. Bravo, majorité, euh, majorité de bonnes réponses. C'est bien. Pas trop de changements encore sur le, sur le podium. Question suivante. Parmi les réponses suivantes, laquelle n'est pas un support de communication média Attention à la question. Hein. Radio, presse, réseaux sociaux ou street marketing Vous avez encore 20 secondes pour répondre. N'est pas un support de communication. Hein. Faites bien attention parce que parfois dans la précipitation, on peut se tromper. Encore 10 secondes pour répondre. 3 secondes. Et c'est fini. Bravo, encore une fois. Vous êtes, vous êtes tous très en forme en tout cas. Hein. Je pense que ça ne va pas se jouer sur les bonnes réponses, ça va se jouer sur la rapidité. Et ça, c'est intéressant. Pas de gros changements sur le podium. Pour un événement, il est conseillé de communiquer avant, pendant et après. Surtout communiquer avant l'événement pour donner envie d'y participer. Ne pas communiquer durant l'événement pour ne pas distraire les participants. Ne pas trop communiquer avant l'événement pour ne pas spoiler l'événement. Vous avez encore 12 secondes pour répondre. Notez que l'Académie française ne recommande pas cette question puisque nous ne disons plus spoiler mais divulgacher en français. Voilà, c'était un petit moment de, de culture de langue française. Alors, pareil, une majorité de bonnes réponses. Bravo. Pas de gros changements à noter, euh, à noter sur le podium. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'un catering Un événement pour les chats, le repas prévu pour le staff et les prestataires, la pause café de l'événement pour les participants, quatre événements en un. un événement pour les chats, celle-là, je dois avouer qu'elle est, elle est, elle est particulièrement bien trouvée. Petite dédicace à tous les chats qui aimeraient avoir un événement dédié rien que pour eux. Bravo En tout cas, encore une fois, une majorité de bonnes réponses et pas de grands changements à, à signaler sur le classement. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'une charte graphique Ensemble des couleurs et typographies de l'événement, document rassemblant seulement les couleurs de l'événement, document rassemblant toutes les créations sur l'événement, ou un document rassemblant toutes les tenues autorisées. Vous avez encore 12 secondes pour répondre. 5 secondes. Et c'est fini encore une fois une majorité de bonnes réponses bravo à tous Est-ce qu'il y a Ah Julie est passée devant Pauline au podium donc euh, nous avons Chine en première place Julie en deuxième et Pauline en troisième Bravo bravo les filles Quel est le réseau social qui rassemble le plus d'utilisateurs actifs en France Instagram, LinkedIn, YouTube ou Facebook Sachant que nous avons parlé de ça pendant la deuxième conférence, il me semble, si, si ma mémoire est exacte. La première, la première, non, la deuxième, la deuxième. Dix secondes encore pour répondre. La deuxième conférence, donc normalement celle-là, vous l'avez tous. Encore trois secondes. Et c'est fini. Ah On n'écoutait pas vraiment pendant les conférences, bande de coquins. Alors... Où est-ce qu'on en est Oula, alors là, on a tout chamboulé. Là. Chine toujours en première place. Rihanna revient dans le game. Bravo, Rihanna. Et Julie en troisième position. Ah, Octave. Ça y est, on a le revival. Le revival de la jante masculine. C'est bien. On continue. Parmi les réponses, laquelle n'est pas un type d'événement Un événement politique Un événement caritatif Un événement spirituel Ou un événement animalier encore 20 secondes pour répondre. Ça, c'est aussi une des questions sur laquelle je me suis, euh, suis vautré, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. 10 secondes. J'ai répondu complètement à côté de la plaque. 5 secondes pour répondre. Et c'est fini. Alors, bravo. Bravo, une majorité de, de bonnes réponses, mais moi, voilà, j'avais mis événement spirituel aussi, je ne pensais pas que, que ça existait. Donc, pas de gros, gros chamboulements euh, au, au scoring. On passe à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'un fil conducteur Un fil conduisant le courant Le trajet que le chauffeur doit suivre pour arriver au lieu de l'événement, la trame à suivre lors de l'événement ou. Le teaser de l'événement. Encore 15 secondes pour répondre. 10 secondes. Ah, vous avez été très rapide sur cette question et il y a 12 bonnes réponses. Bravo. Bravo, bravo, que des bonnes réponses. Pas de gros changements encore à signaler Si ce n'est que Octave euh, a pour la première fois le badge de feu. Selon la règle des un tiers, laquelle des réponses correspond à la répartition du budget d'un événement sans transport Un tiers lieu restauration-dynamisation Un tiers lieu restauration-décoration Un tiers restauration-communication-dynamisation Ou un tiers lieu restauration-staff Encore 10 secondes pour répondre. 5 secondes. Allez, on y va, les derniers. C'est fini. Alors, bravo. Bravo, une majorité de bonnes réponses. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du scoring Ça va, ça reste. Ça. Ah Octave, il ne connaissait pas la réponse à cette question. Il n'a pas été assez rapide. Je ne le vois plus. Alors, qu'est-ce que la SACEM Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Société des apprentis commerciales de l'événementiel du monde. Société des agriculteurs, commerçants, écologistes de métropole. Société des artistes, chanteurs et musiciens. Alors là, bon. Bravo, c'est très bien. Une majorité de bonnes réponses, encore une fois. Pour l'instant, on ne bouge pas trop au niveau du, du trio de tête. On est toujours sur Chine, Rihanna et Julie. Bravo. Bon, de toute façon, les, ju les julies sont des personnes exceptionnelles, ça, je n'en ai jamais douté. <laughs> Alors, qu'est-ce qu'un plan d'implantation Un plan technique permettant de savoir où et comment installer son matériel. Un schéma indiquant la place de chaque participant lors de l'événement. Document indiquant où placer les visuels représentant l'événement. Ou un plan permettant de se rendre à l'événement. Vous avez encore 10 secondes pour répondre. 5 secondes et c'est fini bravo encore une majorité de bonnes réponses vous êtes vous êtes tous en forme hein c'est bien ça fait plaisir à voir chloé prend la troisième place et devance julie alors on en est à la moitié que signifie un format cocktail alors, des barmen préparent à volonté des cocktails aux participants. Ça, c'est le genre, c'est ma soirée préférée. Un type de soirée où les participants sont tous très bien habillés. Les participants sont debout et vont se servir eux-mêmes pour manger. Ou un événement où sont servis uniquement des cocktails et rien d'autre. Mon deuxième type de soirée préférée. Encore 5 secondes pour répondre. 3, 2, 1 et c'est fini Bravo, une majorité de bonnes réponses. Pas pas de changement au scoring. Question suivante, qu'est-ce que la signalétique L'indication des sorties de secours, les publications sur les réseaux sociaux, les différents sponsors présents sur l'événement, l'ensemble des indications pour guider et orienter les participants. 15 secondes encore pour répondre. 10 secondes. Là, pareil, une petite question pour vous remettre en confiance. Et c'est fini. Bravo, bah ben voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Une réponse pour vous remettre en confiance et je n'ai que des bonnes réponses. Pas de changement pour l'instant sur le podium. Qu'est-ce qu'un tour leader? Il assiste les voyageurs des transports aériens durant leur déplacement. Il s'occupe de loger les participants, il dirige l'ensemble des parties prenantes de l'événement ou il dirige le show lors de concerts. Encore 12 secondes pour répondre. Là pareil, une, 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 petite, une petite question pour, euh, pour gagner des points de façon normalement assez aisée. Bravo. Une majorité de bonnes réponses, c'est très bien. Oh! Remontada de Julie, c'est bien Julie, c'est bien. <laughs> Pas de favoritisme. Deuxième place pour Chine et troisième place pour Chloé. Alors, qu'est-ce qu'un affrètement La livraison du mobilier sur le lieu de l'événement, le dress code de l'événement, la location totale et exclusive d'un moyen de transport, ou la location de salle pour le lieu de l'événement. Encore 12 secondes pour répondre. Une question un peu, un peu plus délicate. 3 secondes encore. C'est fini. Voilà, effectivement, délicate et c'est la première fois que je n'ai que cinq bonnes réponses et il y a une majorité de mauvaises réponses, ce qui permet à Mina de prendre la quatrième place de ce classement. On reste concentrés les amis. En règle générale, on prévoit un agent de sécurité pour, attention, un peu touchy, 25 personnes, 50 personnes, 75 personnes ou 100 personnes Encore 20 secondes pour répondre. Réfléchissez bien, moi je, je me suis trompée sur cette question personnellement. Encore 10 secondes pour répondre. 3 secondes. J'ai hâte de voir si, si, vous avez, euh, si vous avez bien répondu. Et voilà, Et trois bonnes réponses seulement. Moi aussi, j'avais tendance à dire 50 personnes. J'ai tendance à vouloir mettre plus de... Oh, mais qu'est-ce que se passe-t-il Octave prend la tête du classement. C'est incroyable, Octave. C'est incroyable. Julie, tu es en deuxième. Chine, troisième. Je compte sur vous, les filles. On, on, doit dépasser, euh, on doit dépasser Octave. En règle générale, on prévoit une hôtesse pour 25 personnes. 50 personnes, 75 personnes ou 100 personnes. Encore 15 secondes pour répondre. Je tiens quand même à préciser que tous mes, mes commentaires sont purement amicaux, que je n'ai rien contre, contre Octave, contre aucun d'entre vous. C'est pour le jeu, tout ça. La passion du jeu. Encore 3 secondes. <laughs> Bravo, une majorité de bonnes réponses. C'est bien. Oula, gros chamboulement dans le, dans le classement. Octave toujours en premier, Chloé en deuxième et Rihanna qui revient. C'est bien Rihanna, la persévérance, c'est très important. En troisième position. Qu'est-ce qu'une recommandation Alors, une liste de prestataires à choisir, une liste d'intervenants à choisir, un document présentant stratégie et dispositif mis en place au client, une liste de types d'événements à choisir. Encore 15 secondes pour répondre. Ça, normalement, pareil. Vous, vous avez travaillé toute la journée sur quoi Sur une reco. Bon. Vous devriez avoir la réponse. Et c'est fini. Effectivement, que des bonnes réponses. Vous êtes, vous êtes parfait. C'est très bien. Du coup, pas de grand changement. Il s'est énervé, Octave. Là, il est premier, il veut rester premier. Hein. <laughs> Qu'est-ce qu'un au-show Un participant qui a réservé mais ne s'est pas présenté et n'a pas annulé. Un artiste qui ne s'est pas présenté à son spectacle. Un spectacle qui n'a pas plu. Ou un spectacle annulé. Vous avez encore 15 secondes pour répondre. Ça pareil. Une petite question pour vous remettre, pour vous remettre en confiance. Encore 5 secondes. Un artiste qui ne s'est pas présenté à son spectacle. Mettez-vous à la place du... Du, euh, du chef de projet événementiel de la tournée et qui a vu que l'artiste n'était pas venu. Bravo, encore une majorité de bonnes réponses. Rihanna prend la tête du classement. Bravo Rihanna. On continue. Que signifie l'acronyme RCO Réception correctement organisée, répétition de cadrage organisé, responsabilité civile organisateur ou restitution commerciale opérationnelle. Encore 15 secondes pour répondre. Je vois qu'il y a des gens particulièrement rapides qui ont déjà répondu à la question alors que je n'ai pas fini, que je pas fini de, de lire les propositions. Bravo à ces personnes, surtout si c'est la bonne réponse. Si c'est la mauvaise réponse, c'est un peu moins bien. Majorité de bonnes réponses sur cette question, bravo. Pas de, de gros, gros changements. Toujours en tête en tête du scoring. C'est bien, c'est sur la ligne d'arrivée qu'on voit le gagnant. Donc, encore 11 questions. Qu'est-ce qu'un topper Un instrument qui émet un bruit lorsqu'on le frappe. Celui qui sonne la fin de l'événement. Le timekeeper de l'événement qui donne le top pour chaque séquence. Ou celui qui sonne le début de l'événement. Vous avez encore 15 secondes pour répondre. 10 secondes. Donc, comme je vous disais, on ne lâche rien. On ne baisse pas les bras, tout n'est pas perdu. Vous tenez tous un peu dans un mouchoir de poche. Hein Bravo, une majorité de bonnes réponses. Alors, pas de gros changements au scoring, Octave qui, euh, qui refait son apparition sur le podium. Les dix dernières questions, dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'un roadbook Un document indispensable rassemblant les éléments nécessaires à l'événement un document qu'on remet au client à la fin de la prestation. Un document indiquant les routes à emprunter pour se rendre à l'événement ou un schéma indiquant où et comment se déplacer dans le lieu de l'événement. Encore 10 secondes pour répondre. 5 secondes. Et c'est fini. Que des bonnes réponses. Bravo, c'est bien. Alors, du coup, pas de gros changements au scoring, forcément. Lequel est un événement sportif La Paris Games Week Les SolidAys Le 3 Ou le Quai 54 Attention, dans les propositions, il n'y en a qu'un qui est un événement sportif. Lequel Encore 15 secondes pour répondre. Et bien sûr, on ne va pas chercher sur Google. Je vous vois ceux qui vont voir sur Google. Interdit. Et c'est fini! Bravo, une majorité de bonnes réponses! Alors, au niveau du scoring, pas de grand changement pour l'instant. Encore huit questions. Comment s'appelle le format de l'événement d'aujourd'hui? Bon. Là, ça va être surtout par rapport à l'orthographe. Faites attention, nous sommes bien sur un hackathon, mais comment est-ce qu'on écrit hackathon? Encore 20 secondes pour répondre. N'hésitez pas à faire appel à votre mémoire visuelle. Ah, bravo, une majorité de bonnes réponses, c'est super. Alors, niveau scoring, pas de grand changement. Question suivante. Qu'est-ce qu'un format table ronde Un dîner où toutes les tables sont rondes. Une conférence où les intervenants répondent ensemble à la problématique posée. Une conférence autour d'une table. Une animation où les participants doivent tourner autour d'une table. Vous avez encore 10 secondes pour répondre. Bravo, bravo, majorité de bonnes réponses. Pas de grand changement encore une fois au scoring, toujours Rihanna en première position. Qu'est-ce que le droit de bouchon C'est une taxe demandée au client pour que le traiteur apporte les bouteilles. C'est une dégustation test pour choisir les vins en amont de l'événement. C'est une taxe demandée au client pour consommer ses propres bouteilles. Ou c'est une taxe demandée pour goûter les bouteilles lors de la dégustation. Vous avez encore 10 secondes pour répondre. Et je me permets de vous rappeler que la colle est à consommer, bien entendu, avec modération. Alors, majorité de bonnes réponses. Bravo! On sent les alcooliques. Non, je rigole. <laughs> Alors, pas euh, de grands changements au niveau du scoring. Lorsqu'un événement contient plus de 500 personnes, combien de dégagements sont nécessaires Par dégagement, on entend issue de secours. Deux dégagements, trois dégagements, 50 dégagements ou un dégagement Vous avez encore 20 secondes pour répondre. Alors. Lorsqu'un événement contient plus de 500 personnes, combien d'issues de secours sont nécessaires Deux dégagements et je n'ai qu'une seule bonne réponse. Mais moi aussi je m'étais trompée à cette question. Si vous voulez tout savoir, donc non non, elle n'était pas évidente, euh, pas évidente cette question. Pas de changement euh, au scoring. Attention, encore quatre questions. En événementiel, que signifie l'acronyme VHR Voyage, habitat, restauration, variété à haut rendement, véhicule, hôtel, restaurant ou visibilité, hospitalité et réception. Encore 15 secondes pour répondre à cette question. Restez concentrés, là c'est maintenant que tout se joue les amis. C'est maintenant. Encore 5 secondes. Et c'est fini. Alors... Cinq bonnes réponses, bravo pour véhicule, hôtel, restaurant. Qu'est-ce que ça change Oh, ça change un petit peu. Rihanna, toujours première, Octave, deuxième, bravo Octave, Chloé, troisième. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On continue, il reste trois questions, on reste dedans. Laquelle de ces qualités n'est pas requise pour être un bon directeur de production Le sens du management, l'autorité, l'organisation ou la culture générale Encore 20 secondes pour répondre à cette question. Laquelle de ces qualités n'est pas requise Attention, n'est pas requise pour être un bon directeur de prod. Vous avez encore 5 secondes pour répondre. Et j'ai une minorité de bonnes réponses. Effectivement, moi je, je m'étais trompée euh, moi aussi euh, sur cette question, ce qui change complètement le classement. On est à Rihanna en première, Chloé en deuxième et Julie. Qui revient dans la course en troisième position? Qu'est-ce que le ventousage? C'est maintenant que tout se joue, les amis. Coller des affiches sur les vitres pour l'événement, conduire chaque participant à la place qui lui est attribuée, réserver des places VIP ou réserver des places de stationnement pour l'événement. Encore 15 secondes pour répondre à cette question. Là, dépêchez-vous, il faut répondre très rapidement si vous souhaitez avoir une place sur le podium et gagner un lot. 3, 3 secondes, pardon. Super, majorité de bonnes réponses. Bravo. Qu'est-ce que ça change Oh, Chloé prend la première place. Rihanna deuxième et Julie troisième. Allez, on lâche rien. Rien n'est perdu. Encore deux questions. Au-delà de combien de personnes est-il obligatoire de prévoir un poste de sécurité 500 personnes, 1000 personnes, 1500 personnes ou 2000 personnes. Vous avez encore 20 secondes pour répondre. Répondez bien, répondez sagement, mais répondez vite en même temps. C'est très compliqué. Hein. Si vous voulez avoir une chance d'être sur le podium, 10 secondes encore. 3 secondes. Et c'est fini. Majorité de bonnes réponses. Bravo à tous. Oh, Rihanna reprend euh, la tête. Du, du classement, sa petite place, sa petite première place qu'elle aimait bien au début. Dernière question. Quel est le nom du film français mettant en lumière les métiers de l'événementiel Demain, c'est la fête La vie est belle Le sens de la fête Ou on s'adapte 20 secondes. Je profite, bien entendu, de cette question pour un petit hommage à Jean-Pierre Bacri qui. Euh nous a quitté il n'y a pas très longtemps et qui était un, un comédien français extraordinaire. Une majorité de bonnes réponses, bien entendu, sur cette question. Alors, attention, le podium. Troisième place, Chloé. Bravo, Chloé. Deuxième place, Julie. Magnifique. Bravo, Julie. Et première place, roulement de tambour, Rihanna. Bravo, Rihanna. Super. Tu vois, tu avais cette première place et... Euh tu l'as laissé aux autres pour, pour leur faire croire qu'ils avaient une chance en réalité de gagner ce jeu. Mais depuis le début, tu savais que c'était toi qui allais gagner. Alors, pour les trois premières places, nous avons euh, pour chacune d'entre vous une carte illicado multi-enseigne. d'accord euh, On reviendra vers vous pour, pour les modalités d'emploi, euh, d'emploi, d'envoi, pardon. <laughs> on était sur l'emploi toute la journée, donc forcément. Alors, donc on reviendra, on reviendra vers vous. Pour euh, vous envoyer les cartes. Donc Rihanna, tu gagnes une carte d'une valeur de 70 euros. Julie d'une valeur de 50 euros et Chloé d'une valeur de 30 euros. Bravo les filles. Et bah c'était super sympa même si bien sûr j'aurais aimé euh, j'aurais aimé vous voir derrière vos, vos téléphones vous énerver un peu sur le jeu. C'était très sympa en tout cas de, de faire ça avec vous. Maintenant sans plus attendre nous allons euh, annoncer bien entendu euh, le projet gagnant de cette journée sur le plateau Gérard Reus avec moi président de l'association MPI France suisse on va pouvoir vous annoncer le gagnant mais avant ça on va, on va discuter un petit peu de la journée tous ensemble alors Gérard oui qu'est- ce que vous avez pensé de cette édition alors, je trouve que les participants étaient super motivés ouais. hein, je trouvais. Euh, un peu stressé quand même, hein. ah, c'est normal, c'est normal. Peu normal hein, mais ça, ça fait du bien un peu le stress pour pour être créatif. C'est le bon stress. C'est le bon stress, exactement. Euh, L'autre point, c'est que euh, des projets très différents, oui, donc est vrai. de phases vraiment très euh, très divers. On est pas n'a on on pas eu des projets monolithiques, hein, quelque chose de, vraiment des euh, des choses intéressantes, des choses qui. On aurait aimé qu'ils approfondissent beaucoup plus, parce qu'il y avait de bonnes idées, euh, des sujets bien maîtrisés. Euh, de, euh, certains étaient très à l'aise en présentation, d'autres un peu moins. De toute façon, de, en général, de très bonnes réponses aux mmh. questions composées. Je trouve qu'il y a de la pertinence dans, 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 dans les réponses. Ça veut dire qu'ils qu maîtrisaient globalement leur sujet, ouais. hein, qu'ils avaient appréhendé certaines. Euh, Certaines, certaines questions, certains, certains optiques, certains développements dans le futur. Donc voilà, globalement, je trouve que euh, c'était, on va dire, c'est un bon cru. Un bon cru cette un année. Un bon cru cette année. Super. Alors, euh, je me permets de vous rappeler euh, le premier prix, ou en tout cas de, de vous l'annoncer. Euh, c'est une toolbox euh, 100% insertion professionnelle. C'est donc euh, une boîte dans laquelle vous trouverez des outils. Qui vont vous aider dans, dans votre insertion professionnelle et vous recevrez tous un certificat de participation dans votre boîte mail. Alors, est-ce que. Euh, le, on, moment, on, on, on le, le moment redouté eh ben, est, est venu. Gérard, je vous laisse, je vous laisse nous annoncer euh, quel est le, le projet gagnant. Alors, le projet gagnant, c'est l'équipe 3. Euh, je me rappelle bien, c'est Human Event, avec Octave. On a beaucoup ah, parlé d'Octave, Octave, Octave Chloé, Lisa. Euh, donc voilà, on a, on a trouvé, et c'était sur, sur le jury, c'était unanime hein, sur, le, sur le résultat, euh, sur le projet Human Event, on a trouvé que c'était un projet assez abouti, qui correspondait bien à l'objectif, qu'est-ce que peut apporter l'événementiel aux ressources humaines donc, il était parfaitement calé par rapport à la demande. Alors, je ne peux pas dire que les autres projets n'étaient pas aussi intéressants, mais là, il y avait une certaine maturité dans l'approche dans, mm -hmm. dans, dans et un bon, une bonne compréhension de, des ressources humaines, c'est-à-dire de euh, tout ce que les, 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 comment dire, les, les problématiques des ressources humaines actuelles, mm -hmm. hein, qui est la marque employeur. Oui, attirer les, voilà ouais. le marque employeur attirer les talents les meilleurs hein, et donc ça c'est super important euh, le fait de euh, la partie recrutement l'onboarding euh, la fidélisation donc il y avait une bonne maturité euh, il y a aussi euh, quelque chose qui était assez impressionnant c'est assez à l'aise hein, dans les dans les présentations mm -hmm. donc, un groupe euh, les autres aussi hein, il y avait il y avait euh, globalement ils étaient assez à l'aise hein, Sentaient un petit peu stress, mais ça va. Ils étaient, ils avaient, on, on voit qu'ils avaient bien envie de, 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 de parler de leurs projets et de les défendre, globalement. Hein. Mais le groupe 3 avait un petit peu plus de maturité sur, sur le sujet. Et donc, félicitations à, à, à ce groupe qui a, qui a un beau bon projet qui serait intéressant de. D'aller plus loin. Ah bah, mais ça, voilà. peut, ça peut être une idée, hein, ça peut être une idée de, de, de développer par la suite ce projet. En tout cas, bravo quand même. Bravo, oui. trois applaudissements. Bravo, bravo à tous. Donc, je vous rappelle, hein, une, une toolbox à chacun d'entre vous pour l'insertion professionnelle. Alors, un, un petit mot, un petit dernier mot, Gérard, pour, pour conclure cette journée. Bon, on était ravis, MPI, hein, puisque je représente MPI. Euh, D'avoir collaboré à nouveau avec ICD Business School. Hein, je pense que. Et, et, et féliciter quand même les étudiants qui ont réalisé. Oui, et tous les participants, bien euh, sûr. Bravo partic... à tous. Voilà, bravo ça, à tous. Et ça, merci. Ça, c'est important. Euh, parce que l'événement, c'est eux qui l'ont conçu, c'est eux, eux, eux qui l'ont organisé, c'est eux qui l'ont scénarisé, c'est eux qui l'ont géré de bout en bout. Et c'est ce, ce qu'on voulait, c'est-à-dire confier. Et, et, et déléguer l'organisation complète d'un événement. Ben, réussi. Pour moi, c'est réussi. Euh, bravo. Euh, et, et tout, tout ce qu'on souhaite, c'est recommencer l'année prochaine. Euh, génération événement continue et euh, Pour la 13e édition. La et et la 13e édition. On verra si on peut le faire euh, en hybride ah. ou euh, en présentiel. Mais l'hybride est bien. L'hybride, oui, oui, oui. Voilà. L'hybride euh... est bien. Et, et, euh, et voilà ben rendez-vous à l'année prochaine pour la 13e édition. Et eh bien rendez euh, rendez-vous l'année prochaine. rendez vous l'année prochaine. merci, merci à l'équipe euh, organisatrice. Encore félicitations euh, à l'équipe numéro 3. Euh, merci en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à, animer, euh, à animer cette journée, euh, d'avoir fait euh, des rencontres avec Gérard, avec les intervenants, avec vous, les, euh, les étudiants. C'était vraiment un, un grand plaisir. Euh, merci encore euh, aux organisateurs, aux étudiants organisateurs. Euh, je me permets aussi de remercier une dernière fois euh, MPI, bien sûr, MPI France-Suisse qui est à l'initiative de cet événement et l'organisateur. Euh, je remercie aussi euh, l'école ICD qui co-organise l'événement et je remercie nos trois partenaires, SwapCard pour la plateforme, Social Dynamite. Mais aussi Live Team pour leur studio. Merci beaucoup à leur gentillesse et à leur accueil. Voilà, ils me font un petit pouce. Merci les garçons. Voilà, je rends, euh, rends l'antenne. Merci à tous. Passez une très belle soirée et j'espère à très vite.